question, autant dans ce jeu de Mikado que dans la musique, il est question de forme, d'architecture, de couleur, de créativité, de patience. Et j'aimais bien cette analogie entre, notamment, voilà, entre ce mot Mikado et une pièce de musique en général. Notre musique s'inspire de nombreux styles de jazz, notamment des vieux standards de jazz comme certains focus sur certains compositeurs nous adorons célébrer comme Ellington ou Monk. Moi j'aime beaucoup aussi toute la période du free jazz, mais de par ma formation de pianiste classique, j'ai aussi c'est cette culture-là, ça est de la période baroque jusqu'à la musique contemporaine. Il y a des compositeurs comme Bach, évidemment, qui sont très importants pour moi, jusqu'à Ligeti ou Dutilleux ou Messiaen, par exemple. Donc en fait, il y a de multiples influences qui se retrouvent quelque part dans la musique que l'on joue. Dre Palmers était mon professeur à l'époque au conservatoire lorsque j'étais étudiant, et on a vraiment assez rapidement eu un coup de foudre musicale mutuelle, et on s'est dit que ce serait bien qu'un jour on cristallise quelque chose ensemble. Du coup, le label Labori a permis justement cette réunion musicale et donc ce projet autour de ce quartet. Labori permet ce qu'on appelle ses résidences de travail. On va s'installer à la Fondation Labori. On travaille pendant 4-5 jours du nouveau répertoire, et on a la chance de pouvoir le travailler toute la journée, éventuellement faire des concerts le soir pour le jouer et le créer en public. Donc il y a vraiment cette dynamique-là propre à ce label.